Léonard de Vinci était un ingénieur, un inventeur, un sculpteur, un peintre, quelqu'un qui avait de multiples talents, qui était très doué. Avant de commencer sa grande peinture sur la scène, il s'est chicané avec un autre artiste. Il était en colère contre lui, donc il a décidé, il s'est dit, lorsque je vais peindre le visage de Judas, je vais peindre le visage de cette, ce rival, cet artiste avec lequel il s'était euh, querellé. Et c'est ce qu'il a fait. Et les gens pouvaient voir, reconnaître cet artiste dans le visage de Judas que Léonore avait peint. C'était une façon pour lui de se venger en quelque sorte, de faire en sorte que cet ennemi allait être l'objet du mépris des autres. Le, la peinture de Judas était la première que Léonore a terminée. Ensuite, il s'est attaqué à peindre le visage du Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'y arrivait pas. Il y avait comme un blocage. Malgré ses meilleurs efforts, il était frustré et il n'arrivait pas à peindre le visage du Christ. Et en y réfléchissant, il s'est rendu compte que c'était l'amertume et euh, la rancune qui étaient au-dedans de lui face à son ennemi qui le bloquait. Donc il a décidé d'effacer le visage de Judas et de recommencer à peindre le visage du Christ. Et il a réussi avec le succès que les années ont acclamé. Nous avons dans cet petit incident comme une parabole de l'expérience chrétienne, tant que nous peignons avec les couleurs de la rancune et de la haine, le Saint-Esprit ne peint pas dans nos vies les traits fins de Jésus-Christ. Pardonner aux autres, c'est le christianisme en acte. L'amour pardonnant constitue une caractéristique, la caractéristique, on pourrait dire, des chrétiens. Il nous a été beaucoup pardonné, donc nous, les chrétiens, nous devons être connus pour pardonner beaucoup, pour pardonner régulièrement, pour pardonner promptement, pour pardonner de bon cœur.